On a fait des études qualitatives et on s'est aperçu très positivement de la relation très émotionnelle de nos clients avec leurs produits, notamment leurs véhicules hybrides, parce qu'on vend quand même maintenant largement et majoritairement des véhicules hybrides à nos clients. Et donc cette émotion, elle passe aussi dans l'automobile. On a cette chance de vendre des produits avec beaucoup de contenu, avec beaucoup de valeur. Et donc, elle passe d'abord par le produit. Ensuite, comment on arrive à mettre de l'émotion finalement, dans la relation client et dans la relation client au quotidien? Ça, c'est un travail long et acharné. Et on va dire que la relation client et la centricité client, elle est au cœur de Toyota, dans les valeurs de la marque, dans l'ADN, on en entend beaucoup parler aussi, de la marque depuis des années et des années. Nous, ce qu'on a, on a un programme stratégique qui s'appelle BRIT, pour Best Retailer in Town, qui a pour objectif de finalement transformer le métier d'accompagner la transformation du métier de nos concessionnaires, qui sont aux commandes de cette relation client. On a à peu près 5 000 collaborateurs dans le réseau Toyota qui, au quotidien, vivent cette relation avec nos clients. Et c'est eux qui sont vraiment aux commandes. Donc, c'est notre stratégie BRIT. Elle a plusieurs piliers. Il y en a quatre, je ne vais pas tous vous les donner, mais il y en a deux qui sont importants dans cette notion de fidélisation. C'est la centricité client et l'engagement. En fait, on pense et on développe notre stratégie en se disant que une expérience client, des programmes très bien faits, on peut en avoir et on en a, mais il faut qu'à la fin, on va dire le dernier maillon qui active cette expérience client, il soit dans les meilleures conditions pour pouvoir donner et faire vivre à nos clients une expérience au mieux, une expérience mémorable, enfin de l'émotion quoi, à la fin. Et donc, c'est ce volet d'engagement où on investit, on forme notre réseau. C'est même un coaching. On commence par, on a formé tous nos managers et tout le middle management dans le réseau pour justement leur faire toucher du doigt toute cette importance des nouvelles attentes de nos clients dans un monde digital qui change, dans un monde où il y a à la fois le digital, la consommation qui évolue, et aussi des changements assez structurels sur l'éco-responsabilité. Donc, finalement, on travaille beaucoup sur l'humain, on travaille beaucoup sur nos collaborateurs en concession pour leur donner toutes les armes pour réaliser et faire vivre des expériences les meilleures possibles et mémorables à nos clients et à nos prospects aussi qui viennent dans notre réseau.